Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui on est sur une vidéo très particulière pour le coup, regardez, Link est prêt. Nous sommes alors... comment dire ça simplement? Nous sommes sur la bêta de l'époque de Zelda Ocarina of Time, qui s'appelait encore à l'époque Zelda 64 ou Projet 64, d'où le nom de l'émulateur Projet 64. Bref, c'est un clin d'œil parmi tant d'autres. Et là, du coup, nous sommes Link, voilà, au calme, vous savez. Quand on s'intéresse au mode, on peut trouver des choses très impressionnantes. Vraiment, c'est voilà. Vous le voyez, hein, voilà, c'est là. C'est cadeau, la fatag à ce que vous voulez. Et puis voilà, en avant. Allez hop. Alors, voyons voir. Ok, bon, c'était pas par là. Où c'est qu'on est là? Y a pas de. Y a même pas du HD. Ça fait très bizarre. What the fuck? C'est un modder qui a fait ça. Hein. Je crois que le gars est tout seul en plus. Ah! C'est Alphos! Oh, regardez les moves! Oh, c'était ça avant! Et regardez le trailer, le tout premier trailer de l'annonce de Zelda Ocarina of Time. Bah, c'était ça. C'était exactement ça. Oh, c'est un truc de fou. Et le modèle du méchant aussi. Eh, bouf! Non, mais regardez-moi ça. Non, mais hey, c'est un truc de fou, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Alors, on va par où? Je crois que la démo dure vraiment pas longtemps, pour le coup, mais voilà, c'est suffisant. Ah! D'accord, pas de cœur. Je crois qu'on est juste invincible, hein, il me semble. Regardez, le modèle de Link aussi, c'est assez incroyable, je sais pas. On aime ça. Mais en fait, c'était ça à la base, hein, clairement. Le modèle de Link, à la base, c'était un modèle de A Link to the Past, en fait. Tout simplement. L'épée, regardez. L'épée, le bouclier... C'est exactement pareil que dans le premier trailer. C'est assez dingue pour le coup de voir ça. Bon, ça sera certainement une vidéo très courte, hein, mais nécessaire. Hein, on va pas se mentir. Ah ah! Mais voilà, c'est juste pour vous montrer de quoi sont capables les modeurs d'aujourd'hui. Allez, on se le refrite. Allez, c'est gratuit. On aime ça. Ah, ce move-là, il est incroyable. Hop là, là. On est plus rapidement qu'avant. Les décors, les portes. Si on analyse bien le trailer, effectivement, c'est exactement pareil. Hein. Ça, pour le coup. Bon, bah, c'est la démo qui arrive en boucle. Hein. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez, de toute façon. Le lien du mode sera dans la description. Si vous avez un émulateur, en fait, c'est tout con. Hein. Si vous avez un émulateur PC, sur PC ou même sur mobile d'ailleurs, sur un smartphone, il vous suffit d'installer pas l'émulateur Projet 64, parce que le Projet 64, il lit pas, en fait, tout ce qui est mode, vous savez. Donc, installez le Mupen 64, c'est celui sur lequel je suis actuellement. Et grâce à ça, vous pourrez jouer au mode, du coup, de bah, de Ocarina of Time et autres, hein, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'était toute petite vidéo, mais bien nécessaire, croyez-moi. Parce que voir un modeur qui refait ça, justement, c'est... Je sais pas, je trouve ça complètement dingue, pour le coup. La créativité des mecs, c'est sans fin. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous fera pas de mal. Nous sommes aussi sur Tipeee, si jamais. Nous avons plusieurs donation goals, sachant que je vais certainement ouvrir une autre chaîne pour tout ce qui est gros projets, fiction. Bref, j'ai plein d'idées en termes de vidéos et de réalisations, comme on avait fait à l'époque les critiques qui tournent mal, vous savez. Enfin voilà, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo, par exemple celle-ci. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, c'était Cyrino, et à plus, ciao.